Bien. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, la couleur, j'appelle ça une aventure humaine, ça a été un des soucis de l'homme depuis le tout début de la préhistoire. Vous le voyez ici avec l'ocre qui orne les peintures rupestres dans les cavernes. Vous le voyez encore, je dirais que chaque civilisation, chaque époque de l'humanité a été caractérisée par une couleur. Vous voyez ici le bleu égyptien. Vous voyez aussi le pourpre qui était la couleur consacrée à l'empereur du temps des Romains. Et vers le 19e siècle, on avait à notre disposition quelques dizaines de colorants qui étaient issus soit de plantes comme l'indigo, soit de minéraux comme le lapis-lazuli, soit même de certains animaux comme des cochenilles. Et le 19e siècle marque un tournant dans le domaine de la couleur parce qu'il y a eu la découverte de la mauveïne par Perkin. C'est un colorant. Il essayait de faire de la quinine et puis il a loupé la manip et ça a donné un colorant qui est un colorant violet. Ce que vous voyez d'ailleurs, les blouses de mes collaborateurs sont en violet à cause de cela. Ça a été le début des colorants de synthèse, début des colorants de synthèse et début en fait de toute la chimie, de toute l'industrie chimique et non seulement l'industrie chimique, mais aussi vous voyez ici à droite la chimiothérapie. Parce qu'en colorant certaines coupes bactériennes pour les regarder au microscope, eh bien on s'est aperçu que tel colorant pouvait tuer la colonie bactérienne. Et puis ça a été, derrière cela, ça a été la ruine de tous les paysans qui cultivaient l'indigotier dans le sud de la France, puisqu'on savait faire les colorants sur le plan industriel. Et puis maintenant, alors on dispose de plusieurs milliers de colorants de toute nature, synthétiques ou pas synthétiques. Et donc, on a une palette de colorants tout à fait énorme. Mais bien que l'on ait déjà quelques milliers de colorants, ben je dirais que la couleur est encore un défi du 21e siècle. C'est particulier pour la visualisation, la course que j'appelle la course aux écrans plats, c'est-à-dire tous ces dispositifs de visualisation qui se sont développés au cours des 3 dernières décennies. Donc, c'était important du temps des grottes, de l'homme préhistorique, c'est encore important au XXIe siècle. Mais qu'est-ce que c'est que la couleur? La couleur, ben, c'est évident, hein. Voilà, ça c'est en noir et blanc, et puis j'appuie sur un bouton, c'est coloré. Donc c'est très facile, tu vois immédiatement ce que ça peut être. En fait, pour qu'il y ait couleur, il faut qu'il y ait trois partenaires. Il faut trois partenaires, il faut l'objet qui va être coloré, bien évidemment. Il y a l'œil et le cerveau. Si vous êtes aveugle, bien évidemment, vous ne voyez pas les couleurs. Je dirais, si vous avez d'être daltonien, vous n'allez pas les voir pareil que votre voisin. Donc, il y a l'instrument, je dirais, physiologique de réception de la couleur. Et il faut un troisième partenaire qui est extrêmement important, qui est la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Le vieux dicton, la nuit, tous les chats sont gris. Donc, il faut de la lumière. Et ça, c'est très important. Et non seulement il faut de la lumière, mais selon la nature de la lumière, alors on m'a dit de montrer avec ceci, la couleur de l'objet que vous observez ne va pas être la même. Alors là, c'est l'exemple bien connu de l'alexandrite, donc qui est un minéral dans lequel la couleur est due au chrome. Mais vous voyez que si on éclaire avec la lumière du soleil, on la voit verte, mais si on éclaire avec une lampe à incandescence, on la voit rouge. D'où le nom d'alexandrite, c'était le nom du tsar Alexandre. Vert et rouge étaient les couleurs de l'empire à l'époque. Et vous avez en bas des bananes qui ont l'air bien mûres, bien correctes, mais si je les éclaire en lumière ultraviolette, elles paraissent bleues. Donc vous voyez bien que le partenaire lumière est extrêmement important, et selon la nature de la lumière, vous allez pouvoir voir telle ou telle couleur. Alors, le problème, c'est que si on veut faire un peu de science, si on veut comprendre un petit peu la couleur, c'est une sensation physiologique. Donc l'image transmise au cerveau par l'œil. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse mesurer. Dire c'est rouge, c'est bleu, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir dire rouge, ça vaut tant. Bleu, ça vaut tant. À partir de là, si on sait mesurer la couleur, on va pouvoir faire de la science et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc le problème est là. Il est là et c'est grâce à Newton qu'en fait, on s'est aperçu que la lumière blanche, celle du soleil, celle qui nous éclaire, contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, en fait, la couleur est contenue dans la lumière blanche, que l'on ne voit pas colorée, bien évidemment. Mais elle est contenue dedans, c'est donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, un point qui est intéressant, si vous regardez cela, Newton a dit qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. En fait, 7 couleurs, ce n'est pas évident, parce que la différence, vous voyez que c'est des graduations, il n'y a pas 7 plages de couleurs différentes. Et en fait, s'il a dit qu'il y a 7 couleurs dans la lumière, c'est parce qu'il y avait 7 notes dans la gamme. Et c'est une analogie entre couleur et musique.
à savoir que 7 notes dans la gamme, donc on va mettre 7 notes dans l'arc-en-ciel. Alors ça paraît comme ça un petit peu décevé, mais en fait c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que le son, la musique, on sait ce que c'est une vibration, c'est une corde qui vibre. Donc si c'est une corde qui vibre, une vibration, ben, la lumière finalement, ça doit être aussi une vibration. Et vous savez que c'est une onde électromagnétique, donc c'est un peu plus subtil qu'une onde sonore, mais c'est aussi un phénomène ondulatoire. Et là, c'est gagné. À partir du moment où on dit que c'est un phénomène ondulatoire, on a la mesure. On a la mesure qui est la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Et si on a, par exemple, une longueur d'onde qui fait 0,4 microns, eh bien, la couleur, c'est du violet. Si c'est 0,8 microns, c'est du rouge. Donc, on sait mesurer. On sait mesurer, c'est une longueur. Une couleur, c'est une longueur. Mais il y a une autre mesure aussi, qui consiste à regarder, je dirais, combien de fois par seconde passe la bosse. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Ben, la fréquence, c'est simplement la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. C'est la fréquence. Ce qui est important, c'est que derrière la fréquence se cache une grandeur physique qui est l'énergie. L'énergie qui, d'après Bohr, ben, fait E égale H nu. Et donc, on peut aussi mesurer la couleur par son énergie. Le violet, c'est 3 électronvolts. Le rouge, c'est 1 électronvolt. Ce qui est intéressant aussi, je ne développe pas beaucoup, mais c'est que ces deux mesures de la couleur correspondent aux deux espaces de principe d'incertitude d'Heisenberg, l'espace des positions, l'espace des énergies. C'est-à-dire, selon le phénomène physique auquel on va s'adresser, eh bien, on se mettra dans un espace, la couleur sera une longueur, ou bien dans l'autre espace, la couleur sera une énergie. Bien, mais la couleur, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que j'ai montré. C'est tout le spectre électromagnétique qui va depuis les ondes radio, donc qui font, disons, quelque chose de l'ordre du kilomètre, Radio Luxembourg, Europe numéro 1. Et puis vous avez, si la longueur d'onde diminue, ben vous allez avoir les rayons infrarouges, les ultraviolets, les rayons X jusqu'au rayonnement gamma. Tout ça, c'est des rayonnements électromagnétiques de rigoureusement la même nature, mais pas la même longueur, pas la même énergie. Et on appelle couleur quoi? Et bien sûr, tout petit espace de quelques dixièmes de micron auquel notre œil est sensible. C'est tout. Ce qui fait l'originalité de la couleur, c'est que notre œil y est sensible et l'autre œil n'est pas sensible à ce qu'il y a à gauche ou à droite, c'est-à-dire l'infrarouge, l'ultraviolet. Bien. Donc, pour qu'un objet soit coloré, il faut qu'il soit éclairé. Il faut qu'il y ait de la lumière. Mais j'aurais tendance à dire que si vous avez le vase qui est ici, il est rouge, mais la lumière arrive, elle est blanche. Avant, c'est trop tôt. Et puis après, si je regarde de l'autre côté, elle est rouge. Après, c'est trop tard. C'est coloré. À quel moment est apparu le phénomène couleur? Mais il est apparu au moment où il y a le choc, la collision, le choc entre la lumière, les photons, et la matière, les atomes de la matière. C'est à ce moment-là, au moment de ce choc, de cette collision, que tout se passe. Ça dure 10 puissance moins 6 ou peut-être encore moins de secondes. C'est extrêmement fugace. Mais c'est là que tout se passe. Alors, selon la nature de ce choc, eh bien, il y a deux types de coloration, qui sont ce qu'on appelle les couleurs physiques ou les couleurs chimiques. La lumière, c'est comme la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a, et ce qu'elle transporte, c'est de l'énergie. Donc, ou bien elle échange de l'énergie avec le milieu que vous observez, coloré, c'est ce qu'on appelle des chocs inélastiques, c'est donc donner naissance aux couleurs chimiques, ou bien elle n'échange pas d'énergie, les chocs élastiques, et ce sont les couleurs physiques. Donc on va voir ces deux catégories. Alors première catégorie, les couleurs physiques, pas d'échange d'énergie. Je vous ai mis quelques exemples de couleurs qui sont dues à ce phénomène-là. Alors le phénomène essentiel qui se produit, ben, c'est simplement que le rayonnement arrive sur la matière, va heurter tous les constituants de la matière, les atomes, les grains de poudre, etc., et il va être simplement dévié. Donc il y a une déviation du rayonnement, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Alors, phénomène de diffusion dont la nature va dépendre essentiellement de quoi ? Ben, de la longueur d'onde de la lumière, de la couleur, et de la dimension, longueur, longueur, de la dimension de l'objet. Si l'objet est tout petit par rapport à la longueur d'onde de la lumière, donc par rapport à 0 quelques microns, eh bien, vous avez ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh.
la diffusion Rayleigh qui est donnée ici, mais qui dit simplement que la lumière, la couleur la plus diffusée, c'est le bleu. Ce qui veut dire que si vous êtes à midi, vous regardez le ciel. Si vous regardez, bien sûr, le soleil, vous ne voyez plus rien, vous êtes aveuglé. Mais si vous regardez à droite et à gauche, vous voyez le ciel est bleu, c'est la lumière diffusée. Par contre, donc c'est la même raison pour le ciel, la mer, la planète bleue, bien évidemment, c'est la couleur de la Terre quand elle est vue de l'extérieur, à cause de la diffusion de la lumière par l'atmosphère. C'est aussi la raison pour laquelle au couchant du soleil, vous voyez rouge, parce que là, à ce moment-là, l'intensité lumineuse baisse, donc vous pouvez regarder directement le soleil et vous voyez le rouge et le bleu qui a été diffusé de part et d'autre. Bien, deuxième possibilité, la lumière, les particules sont à peu près de la taille de la lumière, un peu plus petit. Bon, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Mie, c'est le physicien qui a étudié cela, ben, c'est typiquement le brouillard. Donc c'est les petites gouttelettes d'eau qui vous donnent le brouillard, ce sont les nuages et les choses comme cela. Là, il y a un point qui est un peu particulier. Si ces petites particules sont des petites particules métalliques, typiquement de l'or, à ce moment-là, vous avez une coloration rouge extrêmement intense qu'on appelle le rouge rubis qui apparaît et que vous voyez sur les flacons de parfum, que vous voyez par exemple dans les vitraux, etc. Alors là, je ne sais pas, il y a une manip. Une petite manip qui consiste à faire de l'or colloïdal, donc des toutes petites particules d'or, et quand elles se forment, vous voyez apparaître cette coloration rouge très intense. Voilà, donc pour les former, ces petites particules d'or, on part d'un sel d'or, donc qui est de l'or à un état oxydé, et donc qui va être réduit pour devenir de l'or métallique, c'est-à-dire au degré zéro. Donc ce qui se fait, donc voilà, le sel d'or est légèrement jaune, je ne sais pas si on le voit. Et on va faire la réaction dans de l'eau bouillante, donc une bouilloire. Et la réduction va se faire par du citrate de sodium. Et donc qui va avoir aussi l'intérêt de venir chélater ces particules d'or et d'empêcher leur croissance, ce qui est utile dans une solution, contrairement à dans des matrices solides. Comme on voyait, il va falloir stabiliser ces petites particules qui ont tendance à s'agréger, et ça va être le deuxième rôle du citrate, en plus du rôle de réducteur. Tu veux que je ouvre le flacon ? Vas-y. Donc là, pour le moment, il met de l'eau chaude sur... c'est quoi ? C'est un sel d'or ? Oui. Un sel d'or. Donc il n'y a pas de coloration. Le sel d'or se dissout, c'est des espèces atomiques. Donc, il n'y a pas de diffusion, c'est petit, c'est transparent. J'ajoute du citrate et ça met normalement quelques minutes. Donc, peut-être tu vas pouvoir continuer. Et ça doit passer d'abord par le bleu, puis le violet pour arriver à une couleur rouge profond que j'ai là. J'espère que ça va marcher ici, donc pendant que Jacques continue. D'accord. Donc, en fait, ce que l'on a fabriqué là, c'est des nanoparticules d'or métallique. Alors, je dis nanoparticules parce que nanomatériaux, nano, etc., c'est quelque chose dont on parle beaucoup, qui est très à la mode, qui semble être à l'avant-garde du progrès. En fait, depuis des siècles, l'homme sait faire. C'est le rouge rubis des vitraux des cathédrales. C'est aussi, par exemple, vous voyez là, ce qu'on appelle le lustre dans une céramique, qui donne cet aspect brillant et un peu métallique que vous avez ici à droite. Donc c'est du temps d'il y a plusieurs milliers d'années. C'est des choses que l'on sait faire et qui donnent cette teinte rouge extrêmement intense. Bon, on va peut-être la voir tout à l'heure. Et puis, si les particules sont plus grosses, eh ben, c'est de l'opalescence, c'est-à-dire, par exemple, quand on a un vase en verre et qu'on veut lui donner des reflets un petit peu opalescents, ben, il suffit de mettre des particules qui sont un petit peu plus grosses. Et une application que vous voyez ici, bah c'est par exemple, vous avez un vitrage là, et un double vitrage, et entre les deux parties, il y a des cristaux liquides. Alors les cristaux liquides, selon qu'ils sont orientés, donc sous champ électrique ou pas orienté, ça va être transparent ou pas, c'est-à-dire que ça va diffuser ou pas diffuser. Ce qui veut dire que si vous regardez la cloison de droite ici, elle est transparente, j'appuie sur un bouton, hop, c'est comme si je tirais un rideau. Pareil ici à gauche, l'inverse. J'appuie sur un bouton et donc ça vous permet de faire une cloison qui est transparente ou bien opaque selon que vous mettez un signal ou pas. C'est toute la différence entre le verre et la céramique. La céramique, c'est de la poudre qu'on a agglomérée. Ce n'est pas transparent, tandis que le verre, lui, est transparent.
un cas particulier de cette affaire-là, c'est ce qu'on appelle la diffusion cohérente. Diffusion cohérente, c'est-à-dire que maintenant, il va y avoir une relation mathématique particulière entre la longueur de la couleur et les dimensions du matériau, de l'objet. Alors, c'est ce que vous connaissez bien comme étant la relation de Bragg, qui régit la diffraction des rayons X, c'est-à-dire qu'en fonction de l'angle ici et de la longueur d'onde, vous avez n lambda égale 2d sinus θ. Ben, si on a cette relation-là, il y a diffraction des rayons X, il y a diffraction de la lumière. Diffraction de la lumière, ce qui veut dire que si vous êtes avec une lumière monochromatique, une seule couleur, ben vous avez un diagramme, c'est pas très bien quand je fais comme ça, un diagramme de diffraction des rayons X. Mais par contre, si vous avez de la lumière blanche, bien évidemment, la relation n'est pas obéie pour toutes les longueurs d'onde, juste une seule, et on a ce qu'on appelle de l'iridescence. Alors l'iridescence, ça veut dire que vous allez avoir un matériau dans lequel il y a une répétition de la matière. Ben, c'est typiquement les nacres. Les nacres, c'est des petites plaquettes de carbonate de calcium, d'aragonite, et entre les plaquettes, des protéines. La dimension, la distance entre les plaquettes, c'est de l'ordre de quelques 0,1 microns, c'est-à-dire même, même dimension que la lumière, et par conséquent, ça donne l'aspect nacré que vous connaissez bien, que l'on peut utiliser. Par exemple, le thermomètre à cristal liquide, selon la température, les cristaux liquides s'écartent plus ou moins et donnent des couleurs différentes. C'est le flacon de parfum là-bas aussi qui a un aspect nacré parce qu'on a mis des petites plaquettes. On fait ça beaucoup aussi en cosmétique. Vous pouvez avoir, là c'était des plans, là on peut avoir des petites billes, c'est des petites billes de silice dont les diamètres sont de l'ordre de quelques dixièmes de micron qui sont empilées et ça donne, pareil, de l'iridescence. C'est l'iridescence de l'opale que vous avez ici à droite. Et puis vous avez les papillons. Les papillons, comme les morphos ici, avec ces colorations bleues extrêmement intenses, qui ne sont absolument pas dues à des pigments, mais qui sont ce qu'on appelle des corrélations structurales, qui sont dues à une structure particulière, périodique, régulière, des ailes des papillons. Alors si vous regardez les ailes de papillons, il y a des écailles. Si vous regardez les écailles en un peu plus gros, vous voyez qu'il y a des répétitions de petits puits comme ceci, et c'est cela qui va faire une diffusion cohérente de la lumière et qui va donner cette couleur. Alors là aussi, il doit y avoir une manip. Alors si vous regardez en haut, c'est quand on change l'indice du milieu, on change bien sûr les règles et on change la couleur. Pareil quand on change l'orientation, et c'est ce que tu vas montrer. Là, vous voyez que ça commence à venir. Donc on a déjà un changement de couleur, et puis si on continue, donc du coup, ça deviendra bien comme l'autre, rouge. Alors pour les papillons, donc on en a amené. On va vous les mettre là, comme ça. Enfin, on va essayer. Quand on les regarde comme ça, donc à 90 degrés, en face à vous, vous avez une couleur. Et lorsqu'on va essayer maintenant de les pencher pour changer l'angle de vision, la couleur va changer. Ça va vous changer l'angle θ de la relation de Bragg de tout à l'heure, simplement. Et donc, vous allez avoir la diffraction pour d'autres longueurs d'onde. Effectivement, autrement, vous avez, comme Jacques l'a montré tout à l'heure, le petit papillon qui tourne, et dans son, ça marche peut-être un peu mieux, ça se voit mieux dans la vidéo. Ben, je vais repasser la vidéo. Voilà, donc vous voyez que quand on tourne le papillon, ben c'est brun par-dessous, c'est bleu par-dessus, et vous avez tout le changement de couleur en fonction de l'incidence. Alors, deuxième catégorie, ça va être beaucoup plus riche hein, au point de vue, puisque maintenant, c'est les colorants chimiques. Donc, bien évidemment, comme je suis chimiste, j'y attache plus d'importance. C'est toutes les teintures, les colorants, les pigments, etc., que vous connaissez. Ça, c'est les teinturiers à Fès, pas à Marrakech. Alors, qu'est-ce que c'est, les couleurs chimiques ? Les couleurs chimiques, maintenant, il y a un échange d'énergie entre les deux partenaires, c'est-à-dire entre la lumière et la matière. Ça veut dire que la matière va absorber une partie de l'énergie du rayonnement. Bon, par exemple, si vous absorbez du côté du rouge, eh bien, il va passer le bleu, et donc vous allez voir quelque chose de bleu. Si au contraire, vous absorbez du côté du bleu, ben vous allez voir passer le rouge. Donc si on enlève quelques couleurs, vous devinez qu'on va pouvoir voir ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Pour qu'il y ait absorption,
Là encore, il faut qu'il y ait une règle absolue, une règle rigoureuse, qui est la règle de Bohr, H nu égale delta E. C'est-à-dire que la matière ne pourra absorber que la quantité d'énergie qu'elle est capable d'observer. Vous savez que l'énergie est quantifiée, c'est en fait la différence entre deux niveaux d'énergie. Entre deux niveaux d'énergie, et selon l'énergie du rayonnement, ben, ça va mettre en jeu tel ou tel phénomène du côté du matériau, de la matière. Ça va mettre en jeu quoi ? Ben, ça va mettre en jeu des mouvements. Exactement comme quand vous brûlez de l'essence dans votre moteur, vous faites avancer la voiture. Là, c'est pareil, vous allez absorber de l'énergie pour faire bouger quelque chose au sein du matériau. Alors, bouger quoi ? Ben, par exemple, si on est du côté des radiofréquences, ce qui va bouger, ce sont les spins, en particulier les spins des noyaux. C'est la résonance magnétique nucléaire, c'est l'imagerie médicale par RMN. Si on est du côté de micro-ondes, de infrarouges, c'est les atomes qui vont tourner, les molécules qui vont vibrer. C'est le four micro-ondes. Si on est du côté des ultraviolets, rayons X, etc., on va arracher des électrons. Et puis si on arrache tous les électrons, qu'on est dans des énergies encore plus élevées, ben c'est les nucléons, protons, neutrons, à l'intérieur du noyau qui vont bouger. Alors ce qui nous intéresse, c'est toujours pareil, c'est quelques dixièmes de microns, c'est juste un petit domaine, le petit domaine qu'on appelle le visible, puisque c'est celui que l'on voit, et ça, c'est simplement des mouvements d'électrons autour de leur noyau, de leur atome, du noyau. Voilà, c'est uniquement ça. Donc il n'y aura coloration que si les électrons peuvent bouger, ou je dirais plus... disons bouger. Alors, ils peuvent bouger comment ? Ben, comme c'est marqué ici, c'est-à-dire tourner autour du noyau. C'est ce qu'on appelle les pigments minéraux, les colorants ioniques. Ils peuvent aussi avoir des mouvements d'un peu plus grande amplitude quand on a des molécules organiques avec des électrons pi. Ils peuvent se déplacer sur l'ensemble de les molécules. Ben, c'est typiquement les teintures, les colorants organiques. Et puis, il peut y avoir des mouvements d'encore plus grande amplitude. Quand vous avez une grande chaîne d'atomes, ben, ils peuvent se déplacer sur toute la chaîne. Et c'est typiquement les colorations qui sont dues aux semi-conducteurs. Alors, on va regarder ces différents types de colorations. Le premier, l'électron gravite autour du noyau. Les pigments ioniques, c'est ce qui est utilisé dans l'industrie du verre ou des céramiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous avez l'électron qui tourne autour du noyau. Le rayonnement arrive avec son énergie et l'électron récupère une partie de l'énergie pour passer d'une orbite à une autre. Hein ? Ben, c'est exactement pareil que quand vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre, on veut changer son mouvement, son orbite, il y a un petit moteur auxiliaire qui va faire changer d'orbite. Ben, ça va être exactement la même chose. Alors, ça veut dire qu'il faut connaître un peu mieux la structure de l'atome, la structure intime de l'atome. Je vais prendre simplement le modèle de Bohr. Vous savez que les électrons tournent sur des couches, la première, la deuxième, la troisième, que même si on regarde un peu plus finement, il y a ce qu'on appelle des sous-couches, ici, et on remplit simplement, selon le nombre d'électrons que possède l'atome, eh bien, on remplit, et voilà, et on remplit les différents niveaux d'énergie. Il n'y aura mouvement que si ces électrons peuvent bouger à l'intérieur de leur couche. Donc, ce que j'ai représenté ici, il n'y a que des couches vides ou des couches pleines. Pas de mouvement, pas de couleur. La couleur va apparaître au partir du moment où je vais rajouter un électron là-haut, un électron qui est dans une couche, plus exactement une sous-couche, qu'on appelle ici les orbitales D, qui n'est pas pleine. Et à ce moment-là, le système va pouvoir bouger. Alors ça, ça se produit typiquement dans ce qu'on appelle les éléments de transition, c'est-à-dire tous ces éléments qui sont ici, où les électrons peuvent bouger dans une couche qui s'appelle les orbitales D, les orbites D. Il y en a 5, on peut mettre 2 électrons par orbite, donc il y a 10 éléments de transition, et vous retrouvez là la plupart des éléments qui donnent naissance aux pigments minéraux. Donc on a un mouvement possible, ça c'est la forme des 5 orbitales D, donc il y a 5 possibles, et bien simplement on va avoir l'électron qui est sur l'une qui va pouvoir passer sur les autres. Et ce mouvement-là, le simple mouvement, correspond à une énergie qui est dans le domaine du visible, donc qui est de l'ordre de 1 à 3 électronvolts. Donc typiquement, c'est ça le secret. Bon, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que les 5 orbites, pour ceux qui sont un peu plus forts, il y a une levée dégénérescente, je passe là-dessus. Alors, on va essayer de comprendre. On prend le titane. Le titane, si on est en milieu oxydant, c'est TiO2. Il n'y a pas d'électrons dans cette couche. La couche 3D est vide, zéro. Donc c'est blanc. Pas de mouvement possible, c'est blanc. C'est quelque chose qui est très utilisé comme pigment blanc, comme charge dans les peintures, les plastiques, pour rendre des choses très blanches. Par contre, si je suis en milieu réducteur, ça veut dire que j'ai rajouté un électron. À ce moment-là, il y a un électron ici qui va pouvoir changer d'orbite, et donc je vais absorber de l'énergie lumineuse, et je vais être coloré. Dans le cas présent, c'est dans les domaines, dans les violets.
Autre exemple, celui du cuivre. Les sels cuivreux, milieu réducteur, il y a 10 électrons. Donc les 5 orbites sont pleines, tout est plein, pas de mouvement possible, c'est blanc. Le chlorure cuivreux que vous avez ici en haut est blanc. Si je suis en milieu oxydant, j'enlève un électron, il n'y en a plus que 9, donc il y a une place et par conséquent un mouvement possible, donc une coloration. Ici, elle est verte. Donc on comprend déjà pourquoi il y a coloration ou il n'y a pas coloration. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et de comprendre, je dirais de façon intuitive, hein, sans faire de calcul, pourquoi le titane donne du violet et le cuivre donne du vert ou du bleu. Ben, c'est assez simple. Le titane, si vous avez du titane 3+, c'est un électron qui tourne dans le champ d'un ion avec 3 charges de plus. Le cuivre, c'est les électrons qui tournent dans le champ d'ions qui ont 2 charges de plus. Ben, c'est exactement pareil que si vous voulez déplacer un satellite autour de la Terre ou autour de la Lune. Autour de la Lune, il faut beaucoup moins d'énergie qu'autour de la Terre, parce que la gravitation est plus faible. Ben là, c'est pareil. Le champ électrostatique 3 fois plus est plus important que 2 fois plus. Donc, vous avez une absorption. Il se trouve que, dans le cas du titane, c'est plutôt dans les jaunes. Donc, on absorbe le jaune, on laisse passer bleu et rouge, ça fait du violet. Dans le cas du cuivre, ben, ça va se déplacer vers des énergies plus faibles, donc vers le rouge, et on va laisser passer du bleu ou du bleu plus du jaune. C'est-à-dire, ça va donner du bleu ou du vert. Donc, les sels de cuivre, c'est soit bleu, soit vert, ou entre les deux. Vous avez des minerais ici, l'azurite ou la malachite. L'un est bleu, l'autre est vert. Vous avez ici le bleu égyptien, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ben, c'est simplement un silicate de cuivre. C'est le cuivre qui est 2 plus, donc qui donne du bleu. Et vous avez à droite le vert véronèse. C'est encore du cuivre et c'est un arséniate. Vous voyez que c'est assez facile à faire. Vous prenez du cuivre, vous le dissolvez dans le vinaigre et vous précipitez en utilisant de l'arséniate de sodium qui doit être utilisé, je crois, pour lutter contre les doryphores ou quelque chose comme ça. Le problème, bien évidemment, c'est que l'arséniate n'est pas très bon pour la santé. Et d'après ce que l'on dit, les papiers peints de la chambre de Napoléon à l'île d'Elbe étaient peints avec ces papiers-là et ça l'aurait plus ou moins hâté la fin de Napoléon. Du côté des bleus, ben, c'est toujours des ions divalents. Celui qui est le plus connu, le plus fameux, c'est le cobalt, qui donne un bleu extrêmement intense. Un bleu que vous voyez, c'est les verts bleus vénitiens, là, ce bleu très intense. C'est les faïences de Nevers en haut. C'est aussi les vitraux, la couleur bleue du vitrail ici de la cathédrale de Chartres. Tout ça, c'est dû au cobalt. Toujours pareil, absorption dans le rouge, on laisse passer quelque chose qui est bleu ou bleu-vert. Le cobalt a un cas un petit peu intéressant. En ce sens que si vous prenez du chlorure de cobalt, il y a 4 chlorures autour. C'est bleu. Mais si vous êtes en milieu humide, il y a des molécules d'eau qui vont venir se rajouter. Et bien, ça va devenir rose. Ça va devenir rose parce que, pourquoi ? Ben, vous rajoutez des molécules d'eau avec l'oxygène négatif. Donc, vous augmentez le champ électrostatique. Vous êtes dans une espèce de condensateur. Vous augmentez le champ, donc vous rendez plus difficiles les modifications de mouvement et vous allez absorber vers le bleu et donc laisser passer du rose. Vous faites comme ça des petits baromètres hein, qui vont vous permettre de savoir s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Alors, bien évidemment, un pigment tout à fait connu depuis les cavernes préhistoriques, c'est le fer que vous trouvez partout. Alors, si on est en milieu réducteur, c'est du fer ferreux. Donc, c'est la poterie qui est ici, je trouve très, très jolie. C'est les céladons coréens qui donnent des bleus verts. C'est du fer ferreux qui a été fait en milieu réducteur. Puis, à droite, le fer de l'ocre classique, qui est dans les brins rouges. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les terres ocres qui servent à faire ces colorants, ce sont des oxydes de fer. Oxydes de fer naturels, mais qui peuvent être hydratés ou pas hydratés. Celui qui est hydraté, c'est en bas, c'est le jaune, c'est la goethite, c'est FeOOH, c'est jaune. Mais vous voyez qu'en haut, ça, c'est des ocres qui viennent à côté de Roussillon, hein, au sud de la France. Vous voyez qu'en haut, c'est rouge et c'est cette fois-ci de l'oxyde de fer anhydre. Vous devinez qu'on peut passer du jaune au rouge, de l'un à l'autre, de l'hydrater au déshydrater en chauffant. En chauffant, on va enlever l'eau. C'est-à-dire que si on chauffe, on va passer du jaune au rouge et à des rouges de plus en plus sombres au fur et à mesure que l'on chauffe. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, qui a été étudié par nos collègues du musée du Louvre. Ça vous permet, quand vous regardez les peintures préhistoriques, de savoir à quelle température ont été chauffées les terres ocres. Et donc, je dirais, le degré de civilisation, de technologie de la civilisation correspondante. Donc, c'est un marqueur
qui vous permet de suivre l'évolution de la civilisation, de la technique, de la technologie des hommes préhistoriques, simplement en regardant l'évolution des colorations dans les peintures rupestres. Alors, si vous êtes encore plus astucieux, là, c'est le temps des Grecs, quand vous faites votre céramique, vous la faites dans un four, donc vous mettez de l'ocre et vous allez avoir du jaune ou du rouge, mais si vous fermez le four et vous mettez du bois vert, à ce moment-là, l'atmosphère va devenir réductrice, vous réduisez une partie du fer ferrique en fer ferreux et vous voyez apparaître une couleur noire extrêmement intense. Alors ça, c'est tout le secret des vases grecs. Et c'est dû simplement au fait que maintenant, vous avez à la fois du fer ferreux et du fer ferrique. Dans le ferreux, il y a 6 électrons, dans le ferrique, il y en a 5. Ben, l'électron, il va sauter de l'un à l'autre. Donc toujours du mouvement d'électrons, mais cette fois-ci, d'un peu plus grande amplitude, d'un atome au voisin. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le bleu de Prusse. Je crois qu'il y a une manip qui va venir. C'est-à-dire que quand vous mélangez deux sels ferreux-ferriques, vous voyez qu'à gauche, il n'y a pratiquement pas de coloration. Dès que vous les mélangez, qu'il y a les deux, vous avez une couleur extrêmement intense. Et ça permet de faire des encres sympathiques. Oui, voilà. Exactement, on peut le faire en solution. Mais on s'est dit, pour changer un peu de la chimie des solutions, on a peint avec du ferrocyanure, donc du fer 2, un message, et on a mis du chlorure de fer 3, donc ici dans un pchit. Et donc on va révéler un message qu'on a écrit ce matin et qui a eu le temps de sécher. Alors il faut que ça charge. Et voilà, donc en bleu apparaît une partie du logo du Collège de France, la plus simple à faire. Voilà. Voilà. Donc en mélangeant deux composés qui ne sont pas colorés ou très faiblement, ben, vous arrivez à obtenir une couleur. Alors on va passer maintenant par là. Ça peut être utilisé, je dirais, sur le plan pratique, industriellement. C'est-à-dire qu'on va prendre un composé. Ici, c'est un oxyde de tungstène, donc il n'y a pas d'électrons. Il n'y a que du tungstène 6+, et on va appliquer un potentiel, un champ électrique, et on va injecter des électrons. À partir du moment où vous injectez des électrons, ben, il va y avoir deux tungstènes, 5 et 6, et l'électron va se mettre à sauter de l'un à l'autre. Il va se mettre à sauter de l'un à l'autre, donc vous avez ici le dispositif. C'est en fait une petite batterie, hein, une petite batterie avec les électrodes qui sont faites avec l'oxyde de tungstène. Vous appuyez dessus, et vous allez avoir le vitrage qui va se colorer. Alors, vous pouvez, c'est industriel, si vous avez des Velux, vous trouvez qu'il fait trop clair, ben vous appuyez sur un bouton, vous mettez un champ électrique, ça devient bleu, ça devient sombre. Ça, c'est en vision naturelle, c'est une fenêtre qui donne sur Times Square, et vous voyez qu'on peut faire passer du transparent non coloré au transparent bleu, et c'est des produits qui se fabriquent actuellement pour faire des rétroviseurs ou pour faire des toits d'automobiles. Alors, deuxième façon de colorer sur les couleurs chimiques. Maintenant, l'électron ne va pas se contenter de tourner autour d'un atome ou disons de l'atome à son voisin, mais il va se déplacer sur l'ensemble de la molécule. Donc, vous avez des molécules organiques, hein, typiquement, des électrons pi, ça va se déplacer sur l'ensemble de la molécule. Alors, c'est typiquement deux grandes familles de colorants, de teintures, qui sont des colorants à base d'anthraquinone et des colorants azoïques. Anthraquinone, donc, ce sont ces trois cycles-là, et azoïque, c'est quand vous avez cette double liaison ici, et vous avez des électrons pi qui tournent, hein, comme dans le benzène, mais qui vont tourner sur une échelle plus grande. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une molécule, en faisant de toutes petites modifications chimiques, on va complètement changer la couleur. Vous voyez ici que vous avez l'anthracène. Voilà. L'anthracène qui n'est pas coloré. Mais si je mets deux groupements quinones ici, vous avez une couleur jaune intense, qui est ce jaune ici, qui colore les lichens. Si vous rajoutez deux OH que vous avez ici, vous voyez, chimiquement, c'est très peu de choses. Vous avez un rouge intense qui est l'alizarine. Donc vous voyez que vous pouvez avoir toute une palette de couleurs avec simplement une molécule organique et en changeant très légèrement certains groupements, donc avec de la chimie relativement simple. L'alizarine, ben, c'est le colorant qui correspond à la garance, ces pantalons rouges des soldats d'antan, je crois, 14-18, au début 14-18 ou au moins 70, qui est extrait de la racine d'une plante qui s'appelle la garance.
Un autre exemple, l'indigo, c'est la molécule qui est ici, et le pourpre de tir, qui est tiré, l'indigo est donc tiré d'un végétal, hein, qui est l'indigotier, et le pourpre de tir, c'est tiré de coquillages. Et vous allez voir que, simplement avec deux groupements bromes, un là, un là, vous avez des couleurs complètement différentes. Le bleu des turbans des Touaregs ou le rouge de la cape du cardinal. Donc vous voyez qu'avec des toutes petites choses, on peut changer complètement les couleurs que l'on obtient. Une couleur que vous aimez bien aussi, c'est un colorant alimentaire, le E120, qui permet de colorer les glaces à la fraise, le Campari, qui permet d'avoir, vous voyez, des yaourts sans, sur lit de framboise, très beaux, etc., qui ont cette couleur rouge très appétissante. Alors évidemment, vous allez me dire, mais cette couleur rouge, c'est dégoûtant, c'est un colorant chimique, ça, j'en veux pas, tout bio. Mais non, c'est pas chimique, ça c'est bio. C'est du bio à 100%. C'est simplement des petites cochenilles que l'on a écrasées et qui vous donnent ce colorant et que vous aimez bien quand vous mangez des glaces à la fraise. Alors là, on va vous montrer. Les petites cochenilles, c'est cet insecte un petit peu dégoûtant qui est sur les cactus au Mexique, quelque chose comme ça. Voilà. C'est ça. Alors, on les fait sécher au soleil. Ça vous donne ce que vient de vous montrer Céline ici. Hein, c'est les petites cochenilles séchées. Je crois que c'est que les femelles, si mon souvenir est bon. On les broie en poudre. Vous les mettez dans l'eau et c'est bon. Ça, c'est un colorant qui est connu depuis pas mal de temps. C'est le E120. Hein, vous regarderez. Donc là, j'ai broyé... Donc les carapaces de cochenille, je ne sais pas si vous voyez déjà que c'est bien rouge pour la poudre. Et donc quand on rajoute de l'eau, on obtient une solution bien rouge. Vous pouvez boire si vous voulez essayer, s'il y a des volontaires. C'est bio, hein, c'est pas de la chimie, là. Hein. Tout à fait naturel. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, sur les fraises tagada. Lorsque vous mangez une fraise tagada, vous mangez des insectes. Voilà. Alors, des toutes petites modifications chimiques que vous connaissez bien, ce sont les papiers pH. C'est-à-dire l'acidité du milieu vous permet, avec un papier, d'avoir tout un tas de couleurs. Ces couleurs, ben, c'est simplement qu'on a groupé, fixé des protons sur certaines positions de la molécule. Alors, un exemple que j'aime bien, c'est celui des anthocyanes. Ça, c'est une photo qui est prise dans mon jardin. Et la couleur, les couleurs de ces fleurs, ben, c'est des couleurs qui résultent de ces anthocyanes. Alors, si vous regardez, là, c'est le coquelicot, le bleuet. Vous voyez que c'est la même molécule, simplement la sève du coquelicot est légèrement plus acide que la sève du bleuet. 5, 7. Ben, ça suffit pour qu'ici, il y ait deux protons, c'est dans les rouges, et l'autre, par contre, c'est dans les bleus. Et là encore, on va vous montrer un exemple avec le chou rouge. Là encore, hein, je reste du côté bio. Un chou rouge. Quand vous faites du chou rouge, ben, vous le coupez en morceaux. Vous en faites une solution. Et si vous avez regardé, c'est dans les violets. Mais dès que vous mettez de la sauce vinaigrette, ça devient rose. Et vous pouvez changer la couleur en changeant simplement le pH du milieu. Vous allez avoir avec le même colorant, simplement en rajoutant 1, 2 ou 3 protons, vous allez avoir toute la gamme presque de l'arc-en-ciel. Donc nous avons aussi 3 produits. Vous pouvez faire ça aussi avec les enfants. Hein. Le chou rouge, c'est assez facile. Il suffit d'avoir de l'eau bouillante et d'enlever le colorant, qui est une molécule. Vous avez ici du jus de citron, du vinaigre et de la lessive qui vont changer le pH des solutions. Alors, ici, vous avez les différents tubes où j'ai mis donc de l'eau avec le colorant, extrait du chou rouge. Et on va ajouter une certaine quantité de ces 3 produits pour changer le pH. Alors, tout d'abord, un peu de jus de citron. Donc là, c'est acide, ça devient rose. Puis on peut faire pareil avec le vinaigre.
Ou alors totalement différent, la lessive qui est plutôt basique. Ah oui, ça se voit mieux avec le papier blanc. Blanc grâce à l'oxyde de titane qu'on a mis dedans, hein, qui sert de charge au papier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une seule molécule, et en changeant simplement le pH, l'acidité du milieu, vous avez tout un tas de couleurs différentes. Donc ça, c'est des couleurs que vous allez retrouver dans la plupart des fleurs, des végétaux et choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une économie de moyens tout à fait extraordinaire. Donc en mettant plus ou moins de jus de citron, de la lessive, en changeant exactement le pH, on peut avoir plein de couleurs, tout le spectre si on veut. Ça vous donne des idées pour faire une salade de choux rouges, hein ? Bon, y en a qui piquent un peu, mais ça vous fait un plat qui est superbe. Bien, troisième colorant chimique. Cette fois-ci, l'électron va se délocaliser sur d'une très grande longueur, sur toute la molécule, sur toute une chaîne d'atomes. Alors, c'est typiquement en chimie organique les polyènes, c'est-à-dire des doubles liaisons conjuguées, avec des électrons pi toujours, mais au lieu de tourner sur des cycles, maintenant, ils vont le long des chaînes. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que la couleur que vous allez avoir est directement liée à la longueur de la chaîne. Alors, pour faire comprendre cela, c'est extrêmement facile. Je reviens entre le son et la musique, l'analogie son, enfin musique et couleur. Quand vous jouez de la guitare, selon l'endroit où vous mettez votre doigt, donc selon la longueur de la corde, vous allez faire un do, un si, un la. La note, la fréquence, la longueur d'onde, va dépendre directement de la longueur de la corde. Ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la couleur, la longueur d'onde de la couleur, va dépendre directement de la longueur de la chaîne sur laquelle l'électron se délocalise. Alors, plus la chaîne va être longue, plus la note va être grave, si je me souviens bien, et plus l'absorption va se déplacer vers le rouge. Donc là, c'est toute une famille qui s'appelle les cyanines, qui sont utilisées en industrie photographique. Vous voyez que c'est toujours à peu près la même molécule, mais il va y avoir plus ou moins de double liaison. Il va y avoir plus ou moins de double liaison. Si la molécule est très courte, ça absorbe dans l'ultraviolet, donc c'est incolore. Et si la chaîne s'allonge, eh bien, ça absorbe d'abord le bleu, donc ça va vous laisser passer le rouge, puis ça va absorber du côté du jaune, ça laisse passer le bleu, puis ça va absorber du côté du rouge, ça va passer bleu et jaune, ça va faire vert, et puis si c'est encore plus long, ben, ça absorbe tout et c'est noir. Donc vous voyez qu'on peut simplement jouer sur la longueur de la chaîne pour changer la couleur. Alors un exemple que vous connaissez bien, cette molécule qui est ici, c'est le safran. Il y a 7 doubles liaisons, c'est jaune. Mais par contre, si vous mettez un peu plus long 11 doubles liaisons, ben c'est la carotte et c'est orange. Donc vous voyez, vous changez ici la couleur en changeant simplement la dimension. C'est un petit peu plus subtil que cela. Si vous avez une bonne guitare, vous avez ce qu'on appelle le son fondamental. Donc la corde va vibrer d'un point à un autre, c'est la courbe qui est en haut. Simplement, elle ne vibre pas là où vous mettez le doigt, là où il y a le chevalet. Et, mais elle peut faire ce qu'elle veut entre les deux. C'est-à-dire qu'elle peut faire un nœud. Dans ce cas-là, la longueur d'onde est lambda sur 2, lambda sur 3, lambda sur 4. C'est ce qu'on appelle en musique les harmoniques. Et plus votre guitare est bonne, et plus elle va avoir d'harmoniques, et le son va être beaucoup plus agréable. Ben, ça va être exactement la même chose pour la lumière, pour la couleur. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'absorption pour la longueur d'onde fondamentale et toutes les harmoniques. Alors, traduit sur un spectre, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que dans ce que j'ai raconté jusqu'à présent, c'était la relation de bord. H nu égale delta E. Ça absorbe là, ça laisse passer à droite, ça laisse passer à gauche. Ça absorbe le jaune, ça donne du bleu plus du rouge, du violet. Mais ici, ce n'est pas pareil. Ici, ça va absorber ce qu'on appelle le front d'absorption et toutes les longueurs d'onde qui sont à gauche, qui sont vers les énergies plus élevées, donc vers le bleu, l'ultraviolet. Alors, conséquence, bah, par exemple, c'est typiquement le cas des semi-conducteurs, des matériaux semi-conducteurs. Ça va commencer par absorber du côté du bleu, donc ça va donner des colorations dans les jaunes, et puis ça va mordre progressivement dans le visible, donc ça va donner des jaunes, oranges, rouges, bruns, noirs, etc. Donc des colorations qui vont en gros du jaune au brun, au noir, selon la longueur de la chaîne sur laquelle se délocalise. Il y a une application que vous connaissez bien dans le domaine de la verrerie, pour les bouteilles de champagne, de bière, etc. Elles sont brunes, qu'on appelle des verres ambre. Alors comment fait-on cela ?
dans le verre fondu, on met du soufre. Et on laisse refroidir, enfin des sulfates exactement, qu'on réduit pour donner du soufre. Et le soufre, vous savez, ça donne une espèce de caramel, ça donne une espèce de polymère. Et selon le traitement thermique, la chaîne va être plus ou moins longue. Alors ça va avoir une longueur adaptée à la couleur, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette couleur est due au fait que dans le visible, il y a tout, ça, tout ce qui est à droite qui passe, mais rien ne passe du côté de l'ultraviolet. Et par conséquent, la lumière ultraviolette ne va pas dégrader la boisson qui est à l'intérieur de la bouteille, qui est du champagne, de la bière, etc., enfin toutes ces boissons gazeuses. Si c'était du verre blanc qui laisse passer les ultraviolets, en quelques minutes, la boisson serait dégradée. Vous voyez que là, il y a aussi, même si l'œil voit, entre guillemets, la même chose, il ne ressent pas la même chose. C'était pareil avec les anciens phares d'automobiles jaunes qui n'ablaissaient pas. Alors là, on arrive à un domaine qui est assez nouveau, qui s'appelle les quantum dots, c'est-à-dire que maintenant, les matériaux, les semi-conducteurs, sont tout petits. Donc la délocalisation, ce n'est pas la longueur de la chaîne, c'est la taille de la particule. Et selon la taille de la particule, eh bien, on va avoir des couleurs différentes. On peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Plus la particule est grosse, et plus ça va se déplacer du bleu vers le rouge. Bon, ça, ce n'est pas très important. Voilà. Là, je crois qu'il y a une manip aussi. C'est-à-dire qu'avec le même matériau, la même formule chimique, toujours des nanoparticules, mais selon qu'elles ont 2 ou 5 nanomètres, vous allez avoir des colorations totalement différentes. Pour la lumière, s'il vous plaît. Oui, là, il y a besoin de faire l'obscurité. Alors ici en bas, vous avez différents quantum dots, donc vers du rouge vers l'ultraviolet. Et le rouge, c'est des tailles de particules donc de 5 nanomètres, et ultraviolet vers 2 nanomètres. Vous voyez qu'ils sont éclairés par donc des rayonnements ultraviolets. Vous pouvez voir la même chose, cette fois-ci en haut, sur des tubes un peu plus grands. Avec un laser, on va pouvoir balayer vers les quantum dots, et donc voir différentes couleurs, donc plutôt du bleu, vert, jaune, orange, rouge, et puis très rouge, du coup. Et ça, c'est dû vraiment aux tailles des particules et l'interaction avec la lumière. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que c'est deux choses. D'une part, ce sont des nanoparticules. Nanoparticules, ça veut dire qu'elles peuvent traverser les membranes des cellules. Donc, elles peuvent être utilisées en nanomédecine. Si vous greffez à la surface des molécules qui vont reconnaître, par exemple, les tumeurs cancéreuses, ces nanoparticules vont traverser l'organisme et vont se focaliser, se localiser à l'intérieur des tumeurs cancéreuses. Si c'est des quantum dots, eh bien, il suffit de les exciter par une excitation extérieure et vous allez voir, vous pouvez faire de l'imagerie médicale. Même plus que de l'imagerie médicale, c'est-à-dire que vous pouvez même chauffer localement et détruire la cellule. Donc, il y a des implications importantes du côté de la médecine. Il suffit d'injecter à une souris. Et vous voyez, par exemple, que la souris ici a apparemment un cancer de la prostate. C'est-à-dire que les nanoparticules sont venues se focaliser sur la tumeur. Ce que vous venez de voir, en fait, ce n'était pas de l'absorption, c'était de l'émission lumineuse. On mettait de la lampe ultraviolet et vous avez vu de la lumière. C'est-à-dire que maintenant, c'est la matière qui donne de l'énergie, mais sous forme de lumière. Alors ça, c'est un phénomène hors de temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez excité le système, il a absorbé de l'énergie, et il va la relâcher, soit sous forme de chaleur, mais ça n'a pas d'intérêt, mais il peut la relâcher sous forme de rayonnement, c'est-à-dire qu'il émet un rayonnement avec de la matière, vous allez pouvoir fabriquer de la lumière. Alors selon la façon dont il a été excité, ben vous avez ce qu'on appelle de la photoluminescence, ça a été excité par des rayonnements, de la thermoluminescence, c'est la chaleur, de la triboluminescence, c'est en frottant, de silex, de la électroluminescence, ben c'est l'écran cathodique de la télévision, de la bioluminescence, etc., etc. Donc selon la façon dont vous avez fourni l'énergie, excité le système, ben il va réémettre de la lumière. Vous connaissez bien évidemment la bioluminescence, c'est la luciole. Ben c'est toute une chaîne, je vous en épargne le détail de réactions chimiques, biologiques avec la luciférase, qui va fabriquer des molécules à l'état excité et qui vont émettre de la lumière. Alors ça, c'est la luciole, mais ce que j'aime bien, ça serait mieux si on pouvait baisser un peu la lumière, là, voilà. C'est la luminescence marine dans les fonds abyssaux vers 3-4 000 mètres.
où il n'y a plus de lumière, le soleil ne pénètre pas. Donc la seule façon pour les êtres vivants de communiquer, c'est d'émettre de la lumière. C'est ce qu'on peut appeler le langage des ténèbres, la bioluminescence marine. Et vous avez vu, vous avez sûrement vu des films dans ces affaires-là, avec des organismes tout à fait superbes qui émettent de la lumière, soit pour faire, disons, pour éviter les prédateurs, soit pour aller chercher le compagnon. Vous voyez, par exemple, ici, c'est la pêche au lampareau, hein. C'est-à-dire qu'il met un petit lampion devant la gueule. Les proies arrivent en disant « Tiens, il y a de la lumière, ça va être sympathique. » Et puis, vous voyez ce qui peut arriver, il faut toujours se méfier. Hein. Voilà. Juste pour vous rappeler, c'était le prix Nobel de chimie de 2008. C'était la GFP, la Green Fluorescence Protein, c'est-à-dire des protéines issues des méduses qui permettent de servir de traceurs pour suivre des réactions biochimiques dans l'organisme, des choses comme ça. C'était le prix Nobel. Alors là, ça va encore arriver, c'est la chimie luminescence, c'est-à-dire que maintenant, c'est la chimiste qui va faire pareil que les lucioles. C'est-à-dire qu'en mélangeant deux produits, ça s'appelle le luminol. Ouais. Donc j'ai ici une solution de luminol en milieu basique, et ici une solution d'ion ferrique avec de l'eau oxygénée. Et en fait, on va avoir réaction entre le luminol et l'eau oxygénée, catalysée par le fer, pour avoir une émission de lumière. Alors là, c'est pareil, je pense qu'on a intérêt à ce qu'il fasse sombre. Oui. Sans lumière, pas de couleur. Mais s'il y a de la lumière, on ne voit plus les couleurs. Alors ça, c'est la luminescence bleue qui est due à la réaction chimique. C'est simplement une réaction chimique entre l'eau oxygénée et le luminol. Voilà. Alors, si vous avez bien écouté, il y avait des sels de fer pour catalyser. Et quel est un composé biologique qui contient les sels de fer? C'est l'hémoglobine. C'est-à-dire que cette réaction-là est utilisée en criminologie pour détecter des traces très faibles de sang. Donc, vous vaporisez du luminol, le fer de l'hémoglobine va catalyser la réaction, et vous allez voir, en lumière ultraviolette, vous allez avoir apparaître cette luminescence qui prouve que là, il y a eu des taches de sang. On a un bâton lumineux ? Oui. Dans la même ordre d'idée, c'est une réaction chimique. Alors là, il faut encore... Vas-y. Oh, vas-y. Bon, moi, je ne fais pas de manip. Alors, dans ce bâton lumineux qui est en plastique, on a une capsule en verre. Dans cette capsule en verre, on a des peroxyoxalates et un luminophore. Donc ici, un luminophore qui va émettre dans le jaune. Et tout autour de la capsule, on a de l'eau oxygénée. Donc, quand Guillaume il va casser la capsule, on va avoir un mélange des trois réactifs. Le peroxyoxalate va réagir avec l'eau oxygénée et l'énergie de cette réaction va être transférée au luminophore qui va émettre donc une lumière colorée. Vous trouvez cela dans les rayons automobiles, dans les supermarchés. Ça sert quand on a une panne la nuit et que vous n'avez pas de lumière. Vous voyez que ça marche extrêmement bien. Donc c'est de la lumière créée par une réaction chimique. Alors ça peut durer ça peut durer 12 heures, hein, la luminescence. Il y a des bâtons qui sont vendus pour 12 heures. Voilà. Et alors si vous, selon le luminophore que vous mettez dedans, ben, vous allez avoir des couleurs différentes. Et si vous avez emmené vos enfants à une foire ou des trucs comme ça, on vend des petits bâtonnets qui donnent de la lumière. C'est exactement cette réaction-là. Alors, puisqu'on parle de lumière, c'est la visualisation. Là, vous avez des poudres qui sont des poudres qu'on voit, qui sont blanches, dans lesquelles il y a des composés de terres rares. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous excitez, par exemple, par un rayonnement cathodique ou par des ultraviolets, ben, vous voyez que ça émet de la lumière, et c'est le béaba de l'écran de télévision. C'est le béaba de l'écran de télévision, donc tout le développement de la visualisation, depuis les vieilles télévisions de... quand même dans l'après-guerre, dans les années 50-60, dans ces eaux-là, hein, que vous avez à gauche, les écrans plats qui maintenant inondent le marché. Vous voyez même des écrans plats là, dont la diagonale fait 4 mètres.
C'est-à-dire que ce que je disais au début, il y a vraiment un défi actuel, une compétition extrêmement féroce sur la réalisation d'écrans plats de plus en plus grands, de meilleure qualité, etc. Alors des écrans plats, il y en a de toutes sortes, selon là encore la façon dont est produite la lumière, dont est excité le matériau, par des plasmas, des cristaux liquides, des cristaux à effet de champ, des diodes électroluminescentes, je ne développe pas. Simplement, je voudrais dire un mot sur celles-ci, qui sont des diodes électroluminescentes organiques. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que là, on change complètement le fusil d'épaule. Toute l'électronique moderne, c'est à base de cristaux de silicium, de semi-conducteurs, c'est de l'électronique solid state, c'est-à-dire des cristaux, etc., quelque chose de dur. Eh bien, si vous prenez des composés organiques, cette fois-ci, c'est tout à fait différent, c'est-à-dire que c'est des films polymériques, très simples, très fins, et vous pouvez maintenant faire des dispositifs beaucoup plus souples que ceux que l'on a avec les composés solid state. Donc avec les composés à base de silicium, disons c'est les fameux wafers, les plaquettes de silicium, sur lesquelles on peut dessiner des micro-circuits, etc., enfin tout ce que l'on veut. Et là, c'est simplement des choses souples. Je vais vous demander de fermer la lumière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire maintenant un écran de télévision, vous l'avez ici, qui n'est pas plus épais qu'une feuille de papier, 0,3 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, c'est un écran de télévision. Ce que vous allez voir, c'est qu'on peut l'enrouler. Il continue à marcher. Ça a été présenté par Sony il y a un an, juste un an. Alors, c'est pas commercial. Tous les petits dispositifs que vous avez sur vos appareils photo, là, la petite visualisation, ce sont des diodes électroluminescentes organiques. Donc, à petite taille, petite dimension, c'est... Alors, ça, c'est japonais parce que... Voilà, ça, c'est la dernière diapositive, parce que, quand même, la couleur, c'est quand même de l'art. Et là, c'est le tableau que je préfère, la jeune fille à la perle ou au turban. Et je crois qu'il est intéressant dans le domaine de la couleur, c'est que c'est vraiment un pont entre l'art, la science et la technologie. Technologie, vous avez vu le truc juste d'avant, là, la feuille de papier qui sert d'écran. Donc c'est vraiment un domaine où vous avez un mélange d'art, de science, de technologie, de chimie, de biologie, de physique, etc. Donc c'est vraiment un domaine extrêmement riche, interdisciplinaire. Voilà, merci.